Anthony Bréjean face au musiste. Anthony Archenault, le musiste, supporter du Monde depuis, je crois, depuis que je suis né. Pour le COP, il faut un jeune à la tête du COP, il ne faut pas quelqu'un qui puisse être le daron, il faut plutôt quelqu'un qui te ressemble quand tu veux y adhérer. Au bout d'un moment, il faut pouvoir lâcher prise et laisser la jeunesse prendre le relais. Donc on a passé des très très bons moments et on continuera à en passer puisqu'on restera toujours adhérent. Mais c'est une page qui se tourne. J'ai déjà des projets au niveau d'autres associations qui sont plus caritatives, donc apporter mon aide et mon expérience du virage sud dans d'autres associations. Je vais prendre beaucoup de distance pour pouvoir laisser les jeunes s'installer très correctement et avec facilité en se détachant de nous parce que c'est pas facile pour eux. Une fois qu'on aura fait ça, on reviendra tranquillement derrière notre bâche vieille garde et puis on sera dans le COP à chanter et à filer un coup de main au capot. Moi, je suis né dedans, donc c'est pas pareil. Quand t'as un père qui est président de l'association des supporters, à 4 ans, tu le suis dans un quart. Et puis après, à l'âge de 16 ans, t'es jeune, t'as envie d'un autre truc. Il se crée un mouvement dans le monde qui s'appelait le mouvement Ultra. Je m'y suis greffé une première partie pendant 2 ans avec les supporters de l'OM. Et puis, il manquait quelque chose, en fait, parce que je suis pas marseillais du tout. Je suis un manceau, un pur produit de l'Ariège. Tellement fier de ma ville que c'était une évidence. Donc voilà, il fallait créer un groupe jeune au Mans avec une mentalité ultra. Puis on a lancé une saison en se disant ouais, il n'y aura personne parce que c'était la grande époque de l'OM en 92 et 93. Et puis ça a pris tout de suite, quoi. On a commencé les Warshippers en disant le foot c'est nul, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait c'était la bière, les potes et puis se réunir. Personne ne pouvait nous contrôler, on avait la bonne excuse. Je suis allé chercher les mecs au Bahut, j'étais délégué de classe, j'allais les chercher. Les mecs ils me disaient j'aime pas le foot, j'ai tant mieux. J'aime pas le Mans, j'ai tant mieux, j'en ai rien à foutre. Enfin, viens, et t'es jeune, ouais, t'es cool ou t'es con. Bah, c'est difficile à répondre à cette question. Généralement le mec me disait plutôt t'es cool, bah, bienvenue. C'était entre 92-93, lorsque je suis rentré en première. Anthony Archenault m'avait un peu obligé à venir dans les Warshippers. Moi, j'avais vécu des matchs avec Bordeaux dans les ultras bordelais, donc je rigolais un peu de cette arrivée. Je me disais qu'il n'y avait pas de COP au Mans et que c'était un peu minable. Mais au final, j'y suis resté 30 ans. La deuxième année, c'était passé à 400 francs. Je ne pouvais plus m'adhérer aux Warshippers et il m'avait proposé de devenir responsable. C'est ce que j'avais accepté. Je suis devenu responsable entre 93 et 94. Le foot, c'est nul. Vouloir se retrouver, avoir un esprit décalé, parce qu'on aurait pu très bien, dans les années critiques, péter un câble, aller taper sur les joueurs, comme dans certains clubs. Mais non, notre but, c'est vraiment d'être tolérant, solidaire et vivre ensemble. Le Mans lance dans les yeux d'un capot. J'ai pas vu le match, tout le monde te dira que c'est un des plus beaux matchs qu'ils ont vu, moi j'ai vu 0 seconde du match. T'as un micro dans les mains et tu vois tes supporters passer dans leur visage des plus grandes joies aux plus grandes peines, dans des scénarios incroyables, un COP magnifique. Les conditions du match, il pleuvait, l'ambiance était énorme, les retournements qu'il y a eu dans ce match, malgré la défaite, ça restera le plus beau match. Celle de la première montée en Ligue 1 est quand même une équipe qui restera gravée dans ma mémoire. C'est quand on a eu Dimitri Capellari qui est arrivé et qui nous a permis de nous exprimer en tribune en concevant des tifos énormes. Donc ça a été les années, on va dire, de Ligue 1 éprouvées à la France que notre petit club de 1985 avait des supporters qui pouvaient réaliser des tifos. Le match de Marseille où on n'arrivait pas à les battre et on gagne 3-0, on est extraordinaire. Rennes-Le Mans, quand on sauve en Super D2, ça m'a coûté 3 interros le lendemain. Je suis rentré chez moi, chez ma mère, il devait être 7h30 du matin et on avait sauté sur la 4L de Kiki Penaud. C'est la saison, 93, 94 je crois. Donc on sauve pour la Super D2, déjà rien que le nom ça fait rire aujourd'hui. Et sur un match incroyable, je veux dire, on gagne 1-0 sur un penalty. Et puis la bringue avec les joueurs au City pendant toute la nuit d'après, ça a été... C'est un de mes plus beaux souvenirs de supporters.
forcément le chant des worshippers. Il l'a entonné, il me dit bah, eh ben, je vais le laisser faire parce qu'il est bien meilleur chanteur que moi. Lui est Stanléon Bolé, s'élèvera la ferveur du cop worshipper. Allez, le mot, allez. Allez les sangs, avec la fanfare, c'était rigolo. Mais nous on trouvait ça ridicule. La Marseillaise, c'est un chant qui était très cher à Didier Ribot. C'est le pote qui a animé Le Virage Sud avec mon grillage, qui est là-haut maintenant et qui je pense en permanence, à chaque assemblée générale, je commence par lui. Voilà, vache. Sans aucune hésitation, celui des 25 ans des Worshippers. Je trouvais que le regard de l'aigle sur l'aréna était majestueux. C'est un des plus bels aigles qui ait été fait en tifo. Il y a aussi le plus gros tifo qu'on a fait à l'aréna, où c'était la première fois qu'on faisait sur toute une tribune. Il ne faut pas redoubler la Ligue 2 avec les Simpsons. J'en avais uniquement quand j'étais capot. J'avais une technique de manipulation sur mon micro et sur mon mégaphone. Le micro, c'était de tourner la pile deux fois à gauche, une fois à droite pour pouvoir visser le micro. Et le mégaphone, c'est que je changeais la place des piles de droite à gauche. T'as deux bandes et je le changeais de droite à gauche pour passer un bon match. J'avais un caleçon qui était complètement mort. Les potes l'avaient déchiré. On s'était bagarré et puis ils avaient tiré sur mon caleçon et il s'était déchiré. Et pendant quelques matchs, on perdait pas. Et je mettais pratiquement un lambeau de caleçon à chaque match jusqu'à ce qu'on perde. Et après, j'ai abandonné. Le traditionnel maillot rayé, avoir les bandes rayées sans et or, sont les couleurs de notre club. Et je trouve que par moments, il manque un peu de jaune. C'est loin d'être le plus beau parce qu'aujourd'hui, ils sont vachement beaux, les maillots. Mais je trouve que ça sent la couleur et ça sent le foot, les autres. La première montée en Ligue 1 où j'ai vomi sur les chaussures de Jérôme Drouin à la gare, il devait être 7h30. J'ai pas honte de le dire à caméra, tant pis. Hein. Et c'est une troisième mi-temps sur la première montée de Ligue 1 qui a duré 3 jours. En 3 jours, j'ai dû dormir 6 heures et j'ai été très très fatigué après la première montée de Ligue 1. On était acclamés comme des rois quand on est arrivé place de la République. On a fait un aux armes de tonnerre sur la place du jet d'eau et après on a enchaîné les fêtes. Et j'en ai mal à la tête pendant des semaines. Mon but préféré. Moi, j'en ai vu, et c'est pas une connerie, j'en ai vu zéro à Bolé. C'est quand même un truc de malade, j'en ai vu zéro. Mes buts préférés, c'est l'après-but, c'est quand les mecs ils se jetaient dans mes copes, des fanchons, même des crins qui arrivaient de temps en temps à se jeter dans le cop. Moi, c'est ça. Pour moi, un but à domicile, c'est quand je vois l'attaquant qui est en train de me serrer la pogne alors que j'ai le mégaphone dans les mains. Je penserais pour Kumiento quand même contre Marseille. Il était... Et je me disais, mettre ça à Barthez, comment tu veux mettre ça, il est champion du monde et toi t'es inconnu. Et tu... Marseille-Le Mans, quand tu fais un TGV avec des supporters du Mans, que t'es parti de nulle part avec 50 mecs et que tu déplaces 1000 manceaux et que les supporters de Marseille te félicitent en disant que vous êtes le plus gros parkage extérieur qu'on ait vu. Il y a eu Caen où on perd 3-1 et puis Anthony lance un sang et or du tonnerre et tous nos adhérents on fait un parkage plein et commencent à s'en chanter alors qu'on est mené 3-1. Il y a des déplacements où c'est un peu plus tendu. Effectivement, il est loin de nos années 90 où quand on perdait à Laval, Lorient, on allait prendre un pot avec les supporters lavallois à la fin. Ou maintenant, bah, si tu portes une écharpe sang et or à tel endroit, on va te dire « mais peur à ma vie ou autre, non ». Moi, j'ai peur d'aller dans aucun de mes déplacements. Maintenant, c'est vrai que quand tu vas en 2020 en région parisienne, bah, t'es pas tranquille, quoi. Quand les gars y vont, parce que je fais plus les déplacements aujourd'hui, ça me stresse grandement. Et quand ils sont repartis, je suis plutôt zen. Saint-Étienne, ton parkage est collé au COP. Il te laisse chanter 5 minutes pour te remercier d'avoir fait le déplacement. Et puis après, bah les mecs ils se mettent en place et puis ils allument quoi, toi. Et là, tu peux avoir le mégaphone là, avoir un mec au pied, le son ne sort pas de ton mégaphone tellement le volume sonore est fort à côté de toi. Saint-Étienne nous restera toujours comme un stade où les supporters, même si on décide de mettre le feu, on nous entend pas parce qu'ils sont tellement nombreux.
J'ai adoré Revillier parce qu'ils savaient jouer avec le public, mais tous les joueurs qui aimaient jouer avec nous, que ce soit Ismaël Bangoura, Tullio, restent dans le cœur des supporters. Tu vois, Fred Thomas, par exemple, Touf, est quelqu'un d'hyper discret. Pourtant, j'ai un lien très fort avec lui parce que c'est quelqu'un d'hyper simple qui était venu un jour capable de me dire que voilà, on s'est engueulé sur le parking et pirait ses voitures. J'ai pas connu beaucoup de connards, à part la première année où on est monté en Ligue 1, où là j'ai vu qu'effectivement il y avait des joueurs qui étaient devenus des mercenaires. Ça restera quand même Henri Legarda, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il nous a amené en haut de l'affiche. Tu peux salir autant que tu veux le personnage, d'un point de vue supporter. C'est le seul président de France à avoir payé un TGV entier à ses supporters. Je vais te dire que j'étais jalousé, parce qu'aujourd'hui personne ne le sait ça, mais on se faisait incendier sur les réseaux sociaux par les autres clubs de supporters, par les autres copes qui nous disaient « Pour vous c'est facile de se déplacer parce que votre président paye la moitié des déplacements. » Le changement de nom. Le club appartient à toute une population. J'ai l'impression que le changement de nom a entraîné la cause de notre perte. Mon dernier match à voler. Parce qu'il s'est mal passé, parce que je ne l'ai pas bien vécu, parce que je suis né dans ce stade, parce que le COP est né dans ce stade, et t'as pas le droit de faire match nul. Vannes, c'est la ville que je dois détester la plus en France, mais moi, c'est pas au match retour qui nous coûte quelque chose, c'est au match aller. Parce que dire, tu dois pas quitter Bolé par une prestation pareille. Le virage. Oh, ce sont mes responsables. À chaque fois, c'était des personnes qui œuvraient pour donner une meilleure image du virage sud. Et je trouve que l'image du virage sud sur le Mans est excellente. Des regrets, j'en ai plein. Des remords aussi. Sur le global, qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? On a fait le mieux qu'on pouvait, on est au Mans, il y a plein de villes comme Tours, Laval, etc. qui n'ont pas des COP comme on a aujourd'hui. Donc globalement, on est satisfait du taf qu'on a fait sur l'ensemble des années. Le seul regret, peut-être, ne pas avoir participé à une Coupe d'Europe, mais c'est pas de mon fait, c'est du fait du club. Mais moi, j'ai pas de regrets. J'ai passé, en tant que responsable, 30 années superbes. Moi et Didier Rigaud au grillage. C'était un passionné, un fou, il hurlait sur ses supporters, je dirais encore plus que moi, ce qui n'était pas facile. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai la passion du luxe et tout, j'en ai 100 euros. Puis voilà, puis aujourd'hui, il nous manque encore. Ah, c'est peut-être l'aréna où on rentre là-dedans et on voit 25 000 personnes. Je dirais que c'est le premier entrée, même si Bolé restera jamais dans notre cœur. Très grande fierté d'avoir travaillé à ses côtés. C'est quelqu'un de très combatif, qui n'a peur de rien. Et franchement, si le virage sud et les Warshippers, Fnatic, Firesnake en sont là, c'est essentiellement grâce à lui. C'est une force de travail incroyable. C'est l'homme de tous les sacrifices. Il a fait des sacrifices beaucoup plus importants que moi encore. Je pense que c'est l'homme du virage sud, honnêtement.